auront bien donné quand même. Parce qu'elles dansent, elles cuisinent, elles font tout. Bon, alors à tout à l'heure avec Chantal alors. Hein. Vous allez voir une acrobate sur son vélo tout à l'heure. Ah, quelle ambiance! Dis donc, tous les deux là, c'est Estonné Charnel. On se connaît. Mais oui, parce que vous avez travaillé ensemble, non? On a fait faire des sketchs sur le Tour de France, voilà. À Joigny. On fait des bonus pour le camping. Et puis on a eu une historique dans une sortie de Ah si, on avait trop dit là, Fabien. Peut-être tout à l'heure. Et le sketch, c'était quoi le sketch? Alors, va parler. Alors, dans les souvenirs, Fabien, c'était les gens qui suivent le Tour de France. C'est tout en grand Il y a eu des émeutes. Très bien, maintenant on va rendre hommage à un grand monsieur de la chanson, Lino Ferrer, qui est super. Vous connaissez tous le Sud, incontestablement le tube de l'été 75. Cette chanson avait été écrite et composée 2 ans plus tôt, dans l'année 73. En fait, Nino Ferrer avait acheté une maison en banlieue parisienne. Il voulait absolument que son jardin fleurisse de rosiers absolus. Il va chez un grand fournisseur, commande des rosiers, il se fait livrer tous ses rosiers en caisse. Et au bout de 3 mois, les rosiers n'étaient toujours pas plantés. Et à chaque fois que quelqu'un des invités venait voir Nino Ferrer à Rueil, il disait « Ah, mais c'est pas comme ça que ton jardin va fleurir ». Et Nino répondait « Ici, le temps dure longtemps ». Et il a mis 2 ans pour sortir cette chanson. Et quand il était en tournée, et durant l'année 1974, j'en viens à Besançon, eh bien il testait, avant d'entrer sur scène, dans les bars, les restaurants de Besançon, il testait généralement sa chanson pour améliorer le texte, changer le texte. Il l'a modifié en partie ici à Besançon, et puis à la fête des Jonquilles, que connaît bien d'ailleurs Fabien Antoinette, justement à Gérardmer. Alors un extrait sur scène, ouais, un document jamais passé à la télévision. C'est pour vous. Je vous présente une immense championne, elle s'appelle Inès Brune. Ouais, la première très fort parce que ce qu'elle va faire sur son vélo est exceptionnel. Je vais juste quand même vous dire un mot. Erzwischen, Glückwunsch zum Weltmeistertitel. Félicitations pour le titre de champion du monde parce qu'elle est bavaroise, elle est allemande. Alors, vous parlez un tout petit peu français, parce que vous êtes dans le monde entier, aux États-Unis, en Chine, vous faites ces acrobaties, etc. Qu'est-ce que vous faites ici exactement? C'est dangereux. Pas du tout. Vous faites tout avec un vélo. Oui, j'aime beaucoup les vélos. On regarde. Allez, Inès Brune pour vous en direct. Vous allez voir, c'est impressionnant.
ça a été un plaisir hein, de te recevoir. Allez, je vais chanter. Maintenant, on va tous chanter, comme promis, avec ceux qui ont commencé cette émission, les Magic System. Tout le monde est hyper chaud. J'en profite pour vous donner le rendez-vous de demain. Nous serons à nouveau ici à Besançon pour le départ de l'étape, bien sûr. Il y aura Corneille, Joy Jonathan, il y aura Christian Morin, Les Avions, Love Circus. À partir de 12h55, merci à tout le public, merci à vous d'être très nombreux, bien prêts chaque jour, et on termine avec notre tube de l'été, Magic in the Air. Voici Magic System, bon après-midi. Je vous applaudis, moi seul, je vous applaudis, vous. Vous avez été très, 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 très bon aujourd'hui, Besançon. On a fait une belle émission. Merci à tous, du fond du cœur, merci de la part de toute l'équipe. On a passé un bon moment. On vous souhaite une belle après-midi sous le soleil de Besançon. On est bien là, tu vois. Hein, il fait beau, je vais me mettre torse-nu. Bien entendu, c'est prévu les amis. Parking Isambard demain. Rendez-vous parking Isambard. Nouvelle émission, des invités comme aujourd'hui, du soleil comme aujourd'hui. On vous attend nombreux demain. Parking Isambard. Bon après-midi à tous. Merci Besançon, vraiment. Vous avez été magnifiques. Merci à vous.